Chers otaku, je vous souhaite la bienvenue à la cérémonie d'ouverture de la 424e Coupe du Monde d'Angelic Killer. Vous êtes bien sûr Otaku Radio Live. Je suis Genkai Jones, ancienne joueuse de poste des Handbreakers, triple championne de la Ligue du Royaume-Uni avec l'équipe du Haki de Holy Herb, et je vous présente Ludo Tene. Quadruple champion d'Angleterre avec les Orons de Winbourne en tant que shooter, et j'ai également effectué une année au Japon. Et ça y est, ça commence à peine que tu tires déjà la couverture. L'ambiance est détonante ici, les supporters sont survoltés. Le Japon se accueille dans leur stade national de Tokyo. Comme vous le savez, c'est la première manifestation sportive depuis la fin des grands événements marquants de ces derniers mois. Et oui, celui dont on n'arrive jamais à prononcer le nom a été définitivement vaincu par l'élu. Et d'ailleurs, si vous avez vécu cloîtré dans une grotte jusqu'à ce que ça soit fini... Comme toi, par exemple. Je vous conseille la biographie audio d'Hachipowa à l'école des otaku par l'auteur Jean-Kévin Rollin. 100 yens seront reversés à l'association ISF, Ikebana Sans Frontières, qui apporte des bonsaïs jusqu'aux pays les plus défavorisés. Voilà pour la pub. On ne se souvient que trop bien des terribles Hellboy qui ont fait des ravages à la fin de la 422e session, et malheureusement de la finale annulée de la 423e pour cause d'exécution sommaire des organisateurs. Tragique, tragique. Ils leur ont coupé les oreilles et les ont envoyées aux familles des victimes dans des boîtes de goodies qu'ils ont ouvertes. Alors que c'était sous blister. Ils ne reculaient devant rien. Mais ça n'a pas refroidi les Japonais, tellement fiers de leur culture. Cette année, ce n'est que la deuxième Coupe du Monde. Je crois savoir d'ailleurs qu'une sera organisée en décembre, ce qui fait assez peu. Il me semble que le record est de 7 sur 12 mois. C'était en 85, si je me rappelle bien. 32 équipes sont présentes et pour seulement 7 places en quart de finale, cela nous promet une excellente phase de qualification. Pendant le tour du stade des délégations, il sera utile de rappeler les règles de l'Angelic Killer, plus communément appelé AK. Qu'en dites-vous ? J'en dis que l'équipe française est ma favorite. On s'en doute. Par contre, si tu continues à m'ignorer, ton visage va finir par avoir une poussée d'acné. Et j'entends par là que tu vas vite fait goûter au bouton de la table de mixage. L'AK est un ensemble de plusieurs sports. Pour faire simple, trois handbreakers se jouent au hand avec une balle nommée le boarf et tentent de mettre des buts au gardien, le keeper. Chaque but est égal à un point. En effet, pendant ce temps, les shooters jouent au foot avec les deux cocards en tentant de déséquilibrer les adversaires en leur tirant dessus. Personnellement, ce sont mes préférés. Parce qu'en général, ce sont des beaux gosses. Et j'ai eu pas mal de rencarts avec des shooters. Ouais, pas avec moi en tout cas. Et pour finir, les speedjumpers, poste unique de l'équipe, ils se battent entre eux. Lorsque l'un est à terre, le Kintama est lancé, une grosse balle dorée. Et là, c'est plus ou moins un baston général. Le panier apparaît et si le speedjumper marque, le match se termine et son équipe remporte 15 points supplémentaires. Si vous n'avez toujours pas compris, pas d'inquiétude, c'est de la radio. Ils n'ont pas encore commercialisé les lecteurs MP3 à hologramme incorporé, au grand dam de certains. Et vous avez raison de préciser cela, car en effet, tout ceci est virtuel. Les équipes vont d'ailleurs rejoindre dans quelques secondes leur vestiaire avec la mini-arène en coulisses sur laquelle ils se branchent le cerveau. Tout ceci marche par onde cérébrale, faudrait pas non plus qu'ils se froissent des muscles. Et voici des invités de marque. Le Japon a vu grand. Nous pouvons apercevoir l'un des piliers de Fruitendo, créateur d'un certain Zelda et d'un certain Mario. Je veux bien entendu parler de Shigeru Miyamoto. Il arbore un sourire éclatant malgré le rachat de Nintendo. Mais qui voilà ? L'acteur et chanteur Akira, qui a récemment interprété avec brio Onizuka dans le drama adapté de GTO. Pour les enfants qui ne sont pas encore en âge d'aller à une école d'otaku, un drama est une série live avec de vrais acteurs. Il entame un tour de piste sur sa moto avec un flambeau. Il veut sans nul doute rendre hommage à Cerberus Snap, professeur de Jobar, autoproclamé Great Professor. M'a toujours paru bizarre celui-là. Un coup méchant, un coup gentil. Moi, j'étais persuadé que c'était une femme. Oh, regardez ça, ma chère Genkai. C'est le roi des studios d'animation Ghibli, Hayao Miyazaki, accompagné par Oda Sensei, le papa de One Piece. Les organisateurs sont allés jusque-là. Sidérant.
tout simplement sidérant. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Miyazaki une fois pour l'avant-première de Princesse Mononoke. T'es si vieux que ça ? Ah, et nous remercions également Jeff, notre ingé son. C'est lui qui met les OST et autres musiques dont on n'a pas les droits. Jeff, si tu nous entends. Non, évidemment qu'il nous entend. Baka. Ah oui, pas faux. Et le spectacle enchaîne à la vitesse lumière. Voici les éliminatoires. Quels sont vos pronostics ? J'imagine que les États-Unis vont arriver premiers. Pour rappel, voici comment cela fonctionne. Une épreuve est imposée au capitaine de chaque équipe qui n'a rien à voir avec la carte. Tous ensemble ou bien séparément, ils devront faire partie des 7 premiers pour pouvoir accéder au quart. Évidemment, l'équipe organisatrice est automatiquement qualifiée. Tout à fait, Ludo. Il y a 10 épreuves possibles et l'une d'entre elles est choisie au hasard. Il se peut que des équipes peu fortes finissent par se retrouver en quart si leur capitaine a fait un bon score. Parmi les dernières épreuves en date, on peut retrouver un tournoi de Street Fighter, Yu-Gi-Oh! Ou Dance Dance Revolution. Nous espérons vraiment que cela ne soit pas trop long. On se souvient du cap des 400 000 habitants sur SimCity, ou encore des Tamagotchi qu'il fallait maintenir en vie. Ouais, et puis c'était pas terrible à commenter. Attention, voici le tirage au sort. Et ce sera donc un Summer Wars. Le principe est simple. Les concurrents se retrouvent tous face à un adversaire commun, le puissant virus nommé Love Machine. Au départ géant, il faut l'attaquer sans relâche. Il possède des barrières de protection, et à chaque fois que l'une d'elles tombe, celui qui a donné le coup fatal est qualifié. Les joueurs se connectent chacun de leur vestiaire et ont le droit à une arme. Les capitaines Speed Jumper sont donc avantagés, vu qu'ils sont habitués à leur maniement. Ils ont encore quelques secondes pour mettre au point une stratégie. Pendant ce temps, un petit tour du côté des infos avec notre correspondant qui préfère taire son nom. Bonsoir, chère Force Rouge. Ouais, salut Ludo. Le monde otaku est bien gavé par toutes ces polémiques venant des casse-culs. Des représentants de plusieurs pays se sont regroupés et veulent tout bonnement la fin des compétitions jugées trop violentes. Quoi rêver ? Et alors, les dirigeants otaku des ministères de la Japatitude rétorquent que cela fait marcher l'économie locale et que la culture japonaise est incontournable à notre époque. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'on devrait éradiquer les comics de la surface de la Terre. C'est n'importe quoi, ils font des films sur des groupes de super-héros. C'est tellement ridicule quand on compare ça au manga. Vegeta, il les atomiserait tous avec un Final Flash, là. Bref, cette affaire est loin d'être finie et risque de s'étaler sur une bonne partie de la Coupe du Monde. Et pendant ce temps, Hachipawa mange du tofu. Mais qui est-ce qui écrit ces saloperies de fiches ? Merci, Force Rouge. Et ça va débuter. Les joueurs sont connectés et les hologrammes sont activés. Que les qualifications commencent. Et ça démarre fort avec une attaque groupée de toutes les fédérations. Pas tout à fait. Le Chili a décidé de rester en retrait quelques instants. Il veut certainement voir comment cela se présente avant de se jeter à l'attaque du titan. Subtile référence. Oula, le monstre ne se laisse pas faire. Attaque frontale qui balaye tout le monde. Et c'est à ce moment que le Chili attaque. Il le frappe de toutes parts avec son fouet. Les autres ne se sont pas relevés, mais le Ghana envoie une étoile de shuriken. Non pas à Love Machine, mais bien au seul candidat debout. Ah, le Chili se fait éjecter à son tour. Rien n'interdit d'attaquer les adversaires. Et c'est reparti de plus belle, ça frappe fort, ils sont en demi-cercle autour de lui. Et à ce petit jeu, un des pays va l'emporter. Et le premier à se qualifier est... l'Écosse. Grosse surprise. Alors là, je pense à un pur coup de chance. Nous aurons donc, juste après les qualifs, la première rencontre du Japon contre l'Écosse. C'est à rentrer dans les annales. La dernière fois que ce pays s'est qualifié, c'était en 93, rendez-vous compte. Attention, le grand Jordan McMahon va tenter quelque chose. Il concentre sa puissance dans sa batte de baseball. Il saute de plusieurs mètres de haut et dégomme le visage du virus. Oui, ça a fonctionné. Les Américains auraient pu finir en tête. De là à penser qu'ils l'ont fait exprès pour éviter de rencontrer les Japonais au premier tour, il n'y a qu'un pas. On peut voir les choses de cette manière, en effet. Ils saluent le public et se déconnectent. Les autres tentent toujours de décrocher leur place. La bataille fait rage. Aïe ! Le niveau 2 est enclenché. Love Machine fait encore une bonne quinzaine de mètres de haut, mais commence à se défendre sérieusement. Il se déplace. Mais quelle vitesse, quelle force ! Mais que fait-il ? Il tourne sur lui-même comme une toupie et attaque aléatoirement avec son bâton. Les candidats sont dans l'embarras, aucun d'entre eux ne peut esquisser le mouvement. Je pense qu'ils doivent être au courant et attendre la fin de la phase d'attaque pour lancer leur contre-offensive. Ça ne devrait plus tarder. Oui, le monstre titube, qui sera le plus rapide ? Et c'est Taro qui l'emporte. États-Unis versus Groenland, deuxième rencontre.
On les attendait au tournant. Plus que 4 places, la situation est tendue. Ils se sont divisés en 2 groupes. L'un continue de taper comme les tanks dans les MMORPG, tandis que les autres se préparent à une attaque spéciale. Love Machine envoie une pluie de météores sur les plus éloignés. Ils ont épuisé leurs avatars pour rien. Dommage. Ah, ils ont mal calculé leur coup. Ça risque de leur être fatal. Mais attention, la Française a réussi à se frayer un chemin pour passer derrière le monstre. C'est risqué, car si jamais elle se fait remarquer, il se focalisera dessus. Mais normalement, à ce moment de l'affrontement, il ne se protège pas sur l'arrière. C'est à double tranchant. Voyons voir comment Laetitia Grenat s'en sort. Eh bien, avec les honneurs, évidemment. Et le niveau 3 s'enclenche. On peut le voir parce que... ben, il ne sourit plus, quoi. Je crois qu'il y a eu des abandons de la part du Québec et de l'Inde. Cela devient très difficile. Love Machine ne se laisse plus toucher si facilement. Il mesure encore bien 5 mètres et continue de faire des dégâts. Regardez, Ludo! C'est mon cher Ludo, ou rien. Regardez, rien. Django Tacos est à l'autre bout du terrain. Il pose son petit sabre Kodachi sur l'épaule et se lance à toute vitesse. Mais que compte-t-il faire? Il saute et prend appui sur la tête du Néo-Zélandais, le privant par la même occasion de son attaque, et en profite pour frapper le géant sur le sommet du crâne. Troisième match, France-Mexique! L'arbitre accorde donc cette petite fourberie. Ça enchaîne, et la Bulgarie joue sa dernière carte avec Dimitri Polyakov qui lance son attaque de lumière. Non, il l'a manqué. Il n'arrivera plus à revenir dans la partie, c'est presque évident maintenant. Il faut utiliser son attaque spéciale pour en finir avec lui. Et à ce petit jeu-là, qui va l'emporter? Le moine Shaolin utilise son attaque de l'homme ivre. Il se déplace comme une feuille au gré du vent. Et le Tibet décroche en ses âmes pour la victoire. Allez, c'est la dernière chance pour les pays restants. L'ennemi se déplace et affronte aléatoirement les capitaines. Ah, ça c'est du spectacle. Ce n'est pas comme le tournoi de Go où la moitié des spectateurs s'étaient endormis. Allez les Anglais, faites-moi honneur, nom d'un bento. Ils ont l'air mal engagés malheureusement. Love Machine se dirige vers l'Égyptien qui est à terre pour le coup fatal. Qu'est-ce que... Hypercute ! Eh oui, son arme préférée semble être des poings américains et il l'emporte in extremis. Les supporters sont ravis. Belle prestation, en effet. Je voudrais revenir un instant sur la défaite de la Bulgarie. Ça n'est plus arrivé depuis bien 3 ans au moins. C'est terrible. Oh, y a pas de quoi en faire un plat non plus. Ce qui est quasiment sûr, c'est que des têtes vont tomber, et le premier à en faire les frais va être Polyakov. Et Wingman Lukum, qui ne pourra même pas participer, il va voir rouge. Et d'ailleurs, on m'apprend à l'instant que l'entraîneur bulgare vient d'arracher la tête de l'ange de Polyakov. Vous aviez raison, Genkai. Ah, pour rappel, les anges sont les surnoms des poupées. Cela dit, nous avons droit à des surprises, et ce n'est pas plus mal. Nous aurons donc, pour résumer, droit à 8 matchs en comptant la petite finale. Dire qu'au foot, ils organisent des poules pour les éliminatoires, le truc à peine lourd, quoi. Il va pour nous être temps de nous quitter, car la radio n'a fait appel à nous que pour les cérémonies. Ouais. Une stupide idée pour relancer les audiences à la traîne. Faut dire que regarder la coupe en HD, c'est quand même vachement mieux. Eh, hey, tu veux nous faire virer ou quoi, là? Déjà qu'on est presque pas payé. Quoi qu'il en soit, il y a eu un concours à 100% truqué permettant à des amateurs de venir commenter à notre place. Comme si on n'était plus capable de faire notre boulot. Oui. Et donc nous passons l'antenne dès maintenant aux 2 premiers gagnants pour le match d'ouverture. C'était Ludo Témé. Et Genkai Jones. À vous les studios. Un peu vieillotte, ton expression. Toi, tu m'agaces. Viens par là que je te mette une raclée.